Ah, ça faisait longtemps encore cela. IRM, non, ça va pas être R-Type. Désolé les enfants, là je vous ai trouvé quelque chose de vraiment sympa. Voilà, Ninja Baseball Batman. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs divers et variés dans le même jeu. Donc c'est un beat'em all. Donc là les beat'em all, moi ma grande habitude, je me... Au moins faire péter les 30 crédits minimum, minimum. Parce que je sens qu'on va encore prendre plein la courge. Donc 4 persos, le power, le speed, l'équilibré, celui qui a... Ah tiens, une allonge, bah tiens, moi ça va très bien. Vous allez voir, l'ambiance, c'est complètement n'importe quoi. Écoutez déjà rien que la musique. Oh yeah. Good luck, Ninja Batman à la baseball. Alors, eh ben allez, c'est parti. Alors le classique, on va taper sur les poubelles bien sûr, mais là pour un jeu de baseball avec des ninjas, eh ben, on va taper sur des balles de baseball. J'ai l'impression qu'on va avoir tout le long du jeu des clins d'œil au monde du baseball. Oh, Frankensteiner, ça le fait ça. Ah, est-ce que... J'ai cru que j'allais le balancer en l'air et puis exécuter un swing, ça aurait quand même plus rigolo. Mais voilà, Frankensteiner, les coups de batte, ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. Bon, vous voyez, l'ambiance est complètement n'importe quoi. Hein. C'est du what the fuck à l'état pur. Et c'est assez rigolo. Je sens que ça va bien nous faire marrer. Ah bah tiens, la balle de baseball punk. Allez. Non, t'enfuyez pas. Revenez ici. Ça changera pas votre traitement. Voilà, on va... Il faut le tanner, le cuir, à coup de bâton. Ah bah tiens, en parlant de cuir, les gants en cuir. Les voilà, les fameux. Hop, ouf. Ouais, coup de pied sauté, attention. Alors, il n'y a que deux boutons. Un attaque avec ton combo et tout le bordel. Un bouton de saut, et c'est tout. Bah, ça fait un petit peu pause. J'ai pas réussi à trouver le... Ouais, non, il n'y a pas de smart bomb. Ah, par contre, j'ai fait un méga gros swing avec les deux boutons à la fois. Mais qui a complètement amputé ma barre de vie. Donc, il va falloir être un petit peu méfiant sur l'utilisation abusive de cette technique. Oh là 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 là, le receveur de la mort qui m'a foutu des putains de griffes dans la tronche. I'll be back, tu vas voir. Alors est-ce que c'est bien ça? Ouais, les swings, ça bouffe de la vie. Ça bouffe de la vie. On va falloir... Ouais, on va y aller avec parcimonie. Autant utiliser des balles pour faire des swings. Oh putain. Il y a quand même un avion qui vient de nous rouler dessus là. Ah bah on est monté dessus, très bien. Oh, des battes qui tiennent des battes, mon dieu. Ah, quand des balles qui vont nous jeter des balles. Putain, la zig c'est du bien débile hein. Ça me fait penser aux compositions de Chouaniki. On y revient encore une fois, Chouaniki. Là on n'a pas le côté gay friendly, mais les musiques, alors là par contre c'est le même compositeur, on me la fera pas. Ça c'est sûr. Ouh là là, mon dieu, il s'excitait, mon dieu, l'avion. L'avion dans l'avion. C'est original. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments du décor qui sont interactifs. Tiens, Pink, qu'est-ce que c'est? Mon dieu, des pom-pom girls! Ah non, c'est pas des pom-pom girls. On aurait dit les nanas de Baseball Star 2020 sur Neo Geo. Ouh là là. Allez, ouais. Des swings dans ta gueule, oh mon dieu. Oh, ah non, putain. J'ai cru que je pouvais récupérer la roue qu'il avait perdue. Enfin, le train d'atterrissage. Et je pue belle. Ah bah non, je peux pas lui... Ouais. J'ai voulu lui faire le gros swing de la mort qui tue dans la tronche. Mais je n'ai plus de vie. Est-ce qu'on va éviter? Ah bah non. Ah si. Oh putain. Non, je vais y passer. Hein. Je vais y passer. Non, c'est bon, j'ai réussi à le passer sans perdre. Ah ouais, la batte en or. La batte en or, faut pas déconner. Mais pourquoi j'ai pas gardé la batte en or? Oh yeah. Oh yeah. Oh la zic. Allez, deuxième niveau. On envoie stage 2. Tiens, il a l'air d'avoir une petite tripotée de stage. Ah! Un petit stage à la Endstorm, ça j'aime bien ce genre de choses. Oh des quilles! C'est des quilles, c'est du bowling ce truc! Ah, ça a pas duré longtemps, c'était bien sympa. Ah, l'attaque des citrouilles masquées! Il fallait bien ça quoi. Les graphismes sont vraiment sympas. Sont vraiment sympas quand même. Il est 93, hein, je me rappelle plus exactement la date. La date du jeu concerné. Allez hop, Frankensteiner.
Ah ouais, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a d'autre au corps à corps? Alors, avec O, on va donner des coups de boule! Des coups de boule dans sa gueule! Ouais, par contre, le dash est pas très réactif, hein. On n'a pas encore eu droit au color swap. C'est peut-être pas un mal. J'espère qu'ils vont être un peu plus original. Puis qu'ils vont nous épargner. Ah si, bah voilà, color swap. Suffisait d'en parler. J'espère par contre qu'ils vont nous éviter l'indétrônable. Tous les boss à refaire à la fin du jeu. Parce que ça me plaît pas. Ça me gave royal, quoi. Oh putain! Ils sont pas mal les nuages. Ils ont une animation un petit peu chelou, mais ils sont rigolos. Oh merde, j'ai changé de perso. Je ne voulais pas, moi. Je voulais garder l'autre. Bon, on va les essayer tous. Allez. Ball Z. Alors, Ball Z, c'était un jeu qui avait sur Mega Drive où les personnages étaient faits en boule comme ça. Et puis, bah, c'était un jeu de baston à la con. En imitation de 3D. Et c'était rigolo. Enfin, c'était rigolo. C'était... valait mieux pas l'avoir payé... les 500 balles de l'époque, hein. Sinon je pense qu'il y avait de quoi avoir les boules, ça c'est sûr, quoi. Avec les balles qui font le ménage derrière, qui te servent de l'alcool. Qu'est-ce, un poulpe ? Oh, il est bon celui-là. Digne de Parodius, au moins. Au moins. Ah ouais, ouais, digne de Parodius, c'est clair. Mais Irem, ils avaient développé pas mal de jeux, hein, pour la PC Engine. Hein. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais... Hop, dégagé. Parce que Parodius, voilà, moi j'ai connu sur PC Engine. Oh putain, des haltères. Il me passe la prendre sur la gueule. Mais c'est pas mal du tout ce truc, en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu le mode Fury Berserk. C'est rigolo comme tout. Une balle, un swing. Une base. Non. Putain. Il m'a enchaîné avec son maillet. Ah ouais, mais je balance des bases à répétition, je suis un K47 de la base. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'était en deux parties. C'était une mâchoire pour balle de baseball. Oh putain. Il est tout niqué cette ambiance, c'est tout niqué. Alors Irem, ils ont fait aussi Vigilante. Aïe 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 aïe. Je l'avais eu sur PC Engine. Qu'est-ce que j'en ai chié. Il était interminable. De toute façon, sur la console, on avait déjà les limitations de crédit. Ça, c'est l'invariable. Donc moi, je crois que je dépassais pas le deuxième niveau, quoi. Moi, je devais faire sûrement le bourrin, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui m'est bien resté. Rentrer dans l'art un peu trop, sans raison. Mais bon, ah oui, des bonbons. T'es, ouais, bon, non. Life up avec une anguille. Vous faites vraiment n'importe quoi, les enfants. Bum, boss, Malax. Bah chacun son tour, la bagnole, hein. C'est normal. Uber swing dans ta gueule. Ouais. Il a eu la priorité. Hop. Ah ouais, c'était sympa ça. On aurait dit un coup à la Chun-Li, mais sans la rotation. Mega swing. Oui, voilà, putain, j'ai reçu quand même. Faut avouer. Mega swing, zou. Des bombinettes dans ta gueule. Tiens, ce bruit. Il a perdu sa bouche, mon dieu. Il a pu pouvoir nous faire des bisous. En tout cas, il est vraiment maniable. Les hitbox, elles sont très agréables. On n'a pas l'impression de taper dans le vide 12 000 fois. Donc là, on va faire attention. On va choisir. Voilà. Tiens, bon, on va essayer le gros jaune. Oh putain! Ah, lui, il a du charisme, hein, par contre. Hein. Putain, la vache. Yeah. Allez, ramasse tout, fais gourmand. Parce que si t'es arrivé aussi gros, c'est que t'as bien dû te lâcher, toi. Oh yeah. Ah d'accord, il faut récupérer des éléments de stade. Donc on a eu la batte en or, la balle en or. On va avoir sûrement la base, le gant. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le casque. Ouais. Bonus stage, presse bouton. Et bah allez, c'est parti.
Oh putain la vache. Qu'est-ce qu'il faut y faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, bordel de merde? Time over. J'ai été 43 fois. Putain. Ah la vache. C'était physique ça, hein. Ah, presque une pause quoi. Ah les jeux de cartes, on arrive dans le monde du cirque. Non, plutôt du casino là, j'allais dire une connerie. Boum. Allez. Gros coup de bide. Le bide Cronenbourg, lui il est surtout adepte de la troisième mi-temps, bien que je ne sais. Non, c'est pas des mi-temps, ça marche. Putain, ça marche comment dans le baseball déjà? C'est pas un sport où je suis vraiment un gros professionnel. Je me connais un peu mieux en hockey sur glace, mais c'est vrai que le baseball c'est pas mon truc du tout, quoi. Les notions jeux vidéo d'arcade, si on prend par exemple le volley ou les trois quarts des jeux d'arcade, on commence les matchs, on a déjà 15 points. On peut pas prendre ça comme une grande référence. Allez hop, on va ramasser un petit peu les objets. Ah putain, ils tournent autour de moi et ça me gaffe toujours, quoi. Tant qu'ils me font pas les trucs en roller comme dans Combat Tribes. Reviens ici, reviens. Ouais. Petit salaud. Allez, un petit tour en bagnole. On avance. Hop. On gagne du temps, on les déboîte tous. Ouais, bon, ça sera déjà pas mal, ma foi. Un bon vieux coup de pied à la zang. On l'a reconnu, celui-là. Oh. Par contre, je suis tombé contre un espèce de Megaman d'alcimisé. Ils sont mignons, ouais. Eux, ils sont mignons. Ils sont mignons, mais ils ont l'air pénibles. Non, ça va. Ça va. Oh putain, alors eux, ils ont vraiment une tête de en colère. J'en ai marre qu'on me tape dessus avec un bâton. Ouais, je peux comprendre. Je serai à ta place. Je serai scandalisé aussi. Ah, des bananes. C'est bon, les bananes. Life up. Ouais, mais j'étais un petit peu à bloc de mémoire, non. Des katas, des coups dans la gueule. Go, on y va. Tout. Je sais pas pourquoi ça ne peut pas. Je peux pas m'empêcher de penser à Panzer Bandit avec ce jeu. Panzer Bandit, c'est qui l'a fait déjà? Ouh, mes mémoires de merde là. Ça va me revenir, Panzer Bandit, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai pas joué réellement souvent, mais j'en ai gardé un excellent souvenir de Panzer Bandit. C'est Banpresto qui l'a fait, et ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette équipe-là, il y avait des gens qui avaient travaillé sur... Ah, attends, on m'a pas essayé le verre, voilà. Il y a des gens qui avaient travaillé sur Guardian Hero. Donc en fait, on retrouve un petit peu le même principe de profondeur, mais à niveau. Comment expliquer? Vous vous rappelez que dans Fatal Fury, on peut aller en profondeur et c'est par niveau, quoi. Et ben voilà, c'est un petit peu la même chose. Je sais pas comment mieux expliquer pour le coup. D'ailleurs, un peu trop près dans mes pensées, là, je me fais exploser la gueule. Et en fait, on peut faire des coups spéciaux, des boules de feu, des combos dévastateurs. Comme dans Garden Heroes, hein, c'était vraiment l'alternative PlayStation si on n'avait pas de Saturn et puis qu'on voulait bourriner un petit peu. Et c'est un très bon jeu, notre Panzer Bandit. Ah, retour. Oulala. Il y a un petit peu... Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Putain, je l'ai eu au corps... Ah non, je l'ai pris au corps à corps. Ok, selon... Ça se trouve, j'ai peut-être même aussi une furie en l'air. Bah ouais, ça a l'air, ouais. D'accord. Ouh, on va... Je sens qu'on va revisiter un petit peu tous les personnages. On va s'amuser. Vu que j'ai découvert ça avec le dernier, on va repasser sur le Bioman bleu là. Hop. Ah ouais, non, là. J'ai un petit peu fait le bourrin encore une fois. Ils ont spawné comme des Hanzo ou les Galford en Samurai Shodown. Allez, putain, lâchez-moi, bordel. Ah, raté. Le chat Hitler, je le veux. Hop. Ah non, merde, je pensais que c'était un bonus, moi. Le Hitler, merde. Retour du Hitler, tiens, allez, hop. Oh là 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 là.
Ouh là 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 là. On dirait Krang, mais dans une machine. dans un bandit manchot. Alors Krang, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'espèce de tas de morve rose qu'il y a dans un robot des tortues ninja. Eh oui, oui. Mais qui ne connaît pas les tortues ninja, hein. Mega swing dans la tronche, encore une fois. Ah, vous pouvez le taper au sol, mais j'ai raté le coche. Dommage. Ah bah il commence à bien se démembrer, le petit pépère. Defending slot. Tiens, c'est marrant comme nom. Oh la musique. Non, c'est le même ça doit être le même compositeur que Shoniki, hein, moi je vois que ça. Hein. On nage en plein délire. Ouais. Allez, on va reprendre celui avec la grande portée, on va bien voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. Voilà, le bleu, allez-y. Alors, on avait le Mega Swing, celui-là on s'en rappelle. En l'air, il faisait quoi? Ah, lui en l'air, il fait rien. Oulala, putain. Check. Check your body. Ouah, descendre du coude, ça c'est fantastique. Des coups comme je les aime. Oh, je me suis fait touser, mais comme il faut, quoi. Ah ouais, là c'était quand même déjà plus sexe. Ouais, hop. Oh putain, elle me crame comme une merguez. Je ne suis pas une merguez. Oh putain. Pas évident celui-là. Pas évident. Oh là 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 là. Je me suis fait démonter la tronche. Non, j'ai envie de réessayer le bleu. Voilà, un bon enchaînement dans ta gueule. Ah putain, je me suis rejeté dessus. Non, lâche-moi. Des swings. Putain, ça lui... Ça me fait plus de dégâts qu'à lui de faire des swings. Alors que je fasse attention. Hein. J'ai l'impression que la technique du coup de pied sauté va être salvateur. Eh ouais. C'est ce qu'il fallait deviner. Voilà, le casque en or ou la casquette. Ah ouais, on aura des protections. Je sais pas du tout ce qu'ils vont réussir à nous inventer. On aura sûrement la base, ouais, c'est sûr. Oh, pilote, il bouffe. Oh yeah. Oh mon dieu. Dans le Texas, putain, j'ai cru qu'ils allaient nous faire un remake de la Maison des Mille Morts, là. Ouh, des bouches. Ils sont marrants ces ennemis là. D'accord, on va imaginer que le Texas, ils vont nous faire l'équivalent de la maison hantée. Bah, pour le moment ça se présente plutôt pas mal. Au moins déjà on a des nouveaux ennemis. Au moins des nouvelles gueules d'ennemis, même si ça reste toujours à base de balles. Ils sont pas trop foulés, mais bon, moi ça le mérite. Ils ont le mérite d'avoir fait l'effort. Voilà, ces petits trucs qui rampent là, on les a pas eu. Des burgers hantés, non, ça me donnait faim. J'ai toujours pas essayé le méga Big Mac. Ah ouais, mais c'est pas mal ça en fait. Dès qu'on les désenvoûte, on peut les manger. Ça, c'est un jeu intéressant. Hop, voilà. Alors non, on pourra pas monter. Oh là 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 là, putain, je me fais kidnapper. Fous-moi la paix, Poltergeist. Dédicace à Splatterhouse. Oh le frigo, non, gaspille pas la bouffe, hein. Je suis pas d'accord là. D'accord, c'est l'équivalent de nos gants roller. Aïe, voilà. Mais bon. En tout cas, l'ambiance est vraiment super, quoi. Moi je m'amuse bien depuis tout à l'heure, je m'ennuie pas, quoi. D'accord, il y a encore les ombres, mais il n'y a plus les sprites. Alors, est-ce un bug ou... Est-ce que c'est un bug ou c'est délibérément voulu? Parce que dans Splatterhouse, on a aussi une citrouille où quand on tape dessus... si on l'a... Une espèce de fantôme citrouille comme ça, si on le laisse un petit peu trop faire, il réanime les ennemis. Oh là là, retour toi, ça y est.
ça, il fallait bien qu'on en ait un, quoi. Un retour de... Un swap color sur un boss. Là, quand même, ils ont été forts. Oh yeah. Voilà. Je sais même pas si je dois aller par là, mais ça paraît pas mal. Pink. On va attendre un petit peu. Ouais. Allez, bam bam girl, bougez votre cul. Vous avez pas fait grand chose, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette force qui m'entraîne là? C'est rigolo, ça n'empêche. Est-ce que ça serait pas le démon qu'il y a au fond qui fait chier le monde? Il y a des chances, mais de toute façon, vu qu'il est trop au fond, il est trop scripté pour qu'on aille lui taper dessus. Ouais, voilà, bien joué. Oh non, la bouffe, on perd pas la bouffe, on bouffe tout. Voilà. Un bon swing. Ouh putain, alors toi. D'accord, ok. Je pensais qu'il allait revenir. Ça me fait penser à la musique de... des Squaresoft quand on gagne un match. On va le laisser approcher un peu plus, là, le poltergeist, voir à quoi il ressemble. Mon dieu, mon... Oh là 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 là, quel esprit torturé. Ils vont pas bien, nos japonais, ils vont pas bien. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce level design? Ok. Ouais, bah. Uppercut de frigo dans ma gueule. Parce que moi aussi, je le vaux bien. Le Ghost Buffalo. Voilà, Buffalo Grill. Ouais, là, je m'y attendais. Il fallait bien que j'y pense. Non, on continue avec le maigre. Moi, j'aime bien le tout maigre, le cusp. Ah ouais! Ça c'était stylé, c'est dommage que ça n'a pas duré. Oh là là. Eh non, mais ça va pas durer comme ça. Si on va lui faire un gros swing, voilà. Faut casser un petit peu le. Alors on va essayer de trouver un autre timing parce que sinon on va jamais y arriver. Voilà, parce que les frigos dans la gueule, je pense que ça va être redondant. Putain, il m'a fait Honda avec des épées. D'accord, je peux le choper au corps à corps. Ça, c'est déjà un bon point. On va essayer de continuer dans cette voie-là. Aïe. Aïe. C'est la partouze. Ok, foncez dessus. Non. Ouais, bien. Ah putain. Il m'a quand même défoncé une vie en moins de deux, quoi. Ah ouais, putain, il a même en entière. Et c'est que j'ai encore la barre rouge à lui faire descendre, il me semble. Aïe. Ça va être une purge. Si c'est comme ça déjà pour ce boss. Ouais, putain, je peux pas le Frankensteiner, lui. Ah, j'ai pas été très vif non plus. Hein. Voilà, Frankensteiner. Putain, ça lui enlève que dalle, les Frankensteiner. Ça lui enlève Walou. Putain. Mais qu'est-ce que je peux lui faire, quoi? Qu'est-ce que je peux y faire? Allez. Voilà. Ah non, j'avais pas la barre rouge. Heureusement, putain. Voilà, le gant, fatalement. Oh yeah. Oh putain, c'est... c'est n'importe quoi la musique. Ah. Level 5. Allez, plus que 2 après. Bonne glissade, ouais. On est dans les bayous. J'ai pas regardé où on était, donc j'improvise. Oh là. Et comment je pouvais l'avoir arrivé celle-là? Hein, s'il vous plaît. Soyez tolérant.
Il sort de Sub-Zero. Ouh là là, alors lui il est beau. Oh putain, les deux, bah oui forcément, parce que sinon c'est pas drôle. Un bon swing. Frankensteiner. Ouais, ok. En fait, faut vraiment que j'essaie de jouer un peu plus au corps à corps, quoi. Dès qu'ils sont dans les vapouses, j'hésite pas à les choper, Frankensteiner et tout, le merdier, quoi. Est-ce que dans la musique, j'ai cru entendre... Non. Je vais vous épargner mon délire, là. Non. Reviens ici. Oh là 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 là. Ah putain, j'ai essayé de le choper alors qu'il était un peu sorti de l'écran, ça marche moins mieux. Viens ici, laisse-moi te choper. Voilà, et là, boum, dans ta gueule. Et on les infinise. Celui-là, je pense qu'il est vraiment puissant, quoi. Ouais, on s'en est bien sorti. Ah, on est à la Mat Fabric. Il recycle des jouets pour en faire des balles maudites. Oh, la zik. Ouais, c'était pas mal ça. Boum, elle a dégagé tout le monde. Ah, Widerzen. Oh là là, il m'a enchaîné comme il faut, quoi. Frankensteiner, boum. Encore perdu une vie. Enfin, la même continue. On change un petit peu. Allez, on va prendre le gros bourrin. On va faire des damage. Je me rappelle même pas l'avoir pris. Mais c'est pas un mal. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Il vient de nous faire une danse à la Benebi. Ah, lui, il a même des coups différents selon ce qu'on fait en l'air. Ah, ils ont vraiment un gameplay différent, j'ai l'impression. Il fait des poses plastiques. Oh putain, l'armée des bats. Life up, ouais. Hop, tu récupères tout. Voilà. Swing et la batte. Oh, la batte viking. Ça, c'est celle qui les rigole plus, ça. Et pour les vikings, ils auraient pu choisir autre chose que du rose, hein. Oh, y a. Allez, les gants, dégagez. tape dessus. Oulala. Putain. Ça, je veux, ça, mais il faut qu'ils me fassent ça tous les jours, quoi. Jouer ça. Ouais, alors ça, ouais, c'est la furie du corps à corps, ouais. Il y a une petite âme qui vient de s'envoler, pas si vous avez fait attention. Allez, on continue, bord la gueule. Hop, oulala. Encore lui. Viens ici, sale receveur, là. Je te chope, je te maudis. Voilà. Les pom-pom girls. Voilà, ça il va le sentir passer normalement. Ouais, ça aussi moi je l'ai senti passer. Allez, hop, oui, dans ta gueule. Ça sert à rien du tout ce que je viens de faire. Allez, une petite furie, même pas. Ah si, ça passe encore. Ah, là, on va retour des calamars à tous les coups, parce que quand on voit les vitrines, pas les aquariums. On s'est un peu tous fait sauter le caisson. Putain, il y a du monde à l'écran là. Il y a du monde. Ouais, j'en suis sorti. Vas-y, récupère la bouffe. Voilà.
fais un gros swing, débarrasse-toi de tout le monde. Mange le burger, mange le burger, voilà, bien joué. En fait, il y a tellement de bouffe à l'écran que quand on voit de la bouffe, faut pas hésiter à spammer du spécial, comme ça au moins on avance plus vite. Ah, en haut de la base. Putain, le crocodile big, le ouais, qui est un peu devenu un gros tank. Il est vraiment joli. Voilà, mange ça. Ah, putain, ouais, ça, il aime pas du tout, quoi. Il aime pas du tout. Eh ben, allez. On va continuer là-dessus, quoi. On va continuer là-dessus. Ah, ouais, non, bah là, faut aller bien qu'il me... Faut aller bien qu'il gagne quand même un petit peu aussi. Ouais, on va rester avec lui, là, tiens, pour le boss. Parce que j'ai l'impression que ça va être. Va être salvateur, cette histoire. Coup de l'air dans ta tronche. Oh putain, je voulais simplement les choper au corps à corps. Voilà. Non, merde, c'est lui qui m'a pris. Dommage. Bah, ce qui est chiant, c'est que la queue, elle continue à attaquer, là. Faut que je sois méfiant, là, quand même. Chope-le, bien joué, voilà. Ça, ça va le dégager, dégommer un bon coup, quoi. Il tape à terre comme un lâche. Tu le rechopes. Voilà, et là normalement il est fini. Hobby d'Orzen. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah bah oui, des chaussures. Fallait bien ça. Oh yeah. Ça fait très chouaniki ça. C'est fou. Hein. Voilà les Power Rangers ninja du baseball de la batte de Shaman. Oh putain, ils font encore bourriner là-dessus. Time over, ouais mais putain. C'est pas un bonus ça, moi j'appelle ça. Hein. Tiens la vache, c'est fatigant ça. In Chicago. Ah. On va peut-être avoir du gay alors à Chicago. Ah non. C'est à San Francisco, excusez-moi, j'ai confondu. Alors. Ils sont pas très beaux là les chiens agents infiltrés, hein. Là il faut. Faut quand même l'avouer. Voilà. Hop, 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 hop. En tout cas, c'est original les gangsters là, comment ils sortent. Les chiens gangsters. Et ouais, c'était bien une petite note de musique classique hein, qui nous mettait quand certains ennemis meurent. Je l'ai pas inventé. Non, non, monte dans la voiture, monte dans la voiture, voilà, profite-en. Voilà. Voilà. Ça a été bien efficace pour ce coup-là, quoi. Bien efficace. Bon, on est encore dans le swap color hein, comme d'habitude. Ça... Mais là, avant-dernier niveau, c'est encore excusable. Je trouve que au niveau originalité, ils ont été suffisamment inventifs pour pas qu'on soit trop déçu, quoi. Allez. Hop, voilà. J'ai un petit peu pas attendu ce qui se passe là. Mais c'est pas mal là parce que ouais, ça fait un peu comme d'autres jeux où on peut avancer les ennemis, bon bah on n'est pas obligé de tous les exploser quoi. Aïe aïe aïe. J'ai un petit peu déguste. Allez, on va reprendre le bleu, je l'aime bien le bleu. Ninja. Putain. Ouais ouais. Oh putain. Sale chien errant là. Oh putain. Allez. Tu vas y rester aussi. Voilà. Non, on peut pas faire de... On peut pas faire de strafe rapide. Éjecter la brindille. Éjecter. Alors. Un bon gros swing pour les dégager tous.
Ça fait pas de bien. Ça fait pas de bien. Du lait. C'est bon pour les os, le lait. Qu'est-ce que c'est que ça? On va se taper contre un fût de vin? Ah non, contre un vigneron. Oh, il est magnifique avec ses petites couettes. Oulala. Elle rigole pas par contre. Il gaspille le vin. Il gaspille la torche. Il chope-le un petit peu. Passe ça. Makeshift villain, il s'appelle. Ok. Non. Essaye de choper au corps à corps et fais vite. Ah non. Fais vite ta furie. Allez, on l'op, lui, on va y aller au swing. On va reprendre le gros. Dès qu'on arrive au boss, on prend le gros. Boum. Je me demande pas si... Ouais. Pas sûr qu'il soit très... Comment dire, je pense pas qu'il va collaborer très facilement. Ouais, voilà. Ouais, tape à terre, tape-le à terre comme un lâche. C'est ce qu'il faut. Gros swing pour tout le monde. Ah, y a pas moyen de le choper au corps à corps. Ok. On va plus s'y risquer. Aïe. Donc, technique, ça va être l'enchaîner tout bêtement. Quoi. Aïe. Ouais, bon, on va faire des petits enchaînements. Alors. C'est bien dommage. Par contre, une fois qu'il est au sol, je peux lui faire un gros plaquage. Ça se rappelait ça. Voilà, relève-toi vite. Voilà. Un petit coup pour la cheville. Ah putain, raté. Non, c'est bon, il est passé. Un petit coup pour la cheville à terre. Voilà, en plus il se relève plus vite. C'est que du bonheur. Ça, c'était du combo. Voilà. On va le finir avec un gros swing. Allez. Un gros swing. Qu'est-ce que c'est que ça? Une statue. Non, autant le reste c'était de l'équipement, je comprends, mais là la statue. Ah, c'était compléter la statue, d'accord. Si on avait lu l'histoire, on n'en serait peut-être pas là. Ils avaient piqué une statue. Donc lui il va se venger maintenant qu'on lui a piqué ce qu'il avait piqué. Et oui, c'est. Oh putain, on met la perruque qui est encore moins beau. Allez, Stadium Fortress, dernier niveau. C'était un beau bug en règle, faut l'avouer. Final stage, alors là moi ils annoncent la couleur. Oh, puis, alors là, si ça vous fait pas penser à Turtle in Times. C'est Turtle in Times. Il y avait déjà des couleurs un peu chatoyantes qui me faisaient penser un peu à ça. Alors là, on y est complètement là. On y est complètement. Il commence à avoir sérieusement du monde là à l'écran. Hein. Commence à avoir gras de monde. Ouais, bah là, si c'était Turtle, non, c'est Irem. Mais bon, ah, gros clin d'œil là. Parce que attends, il est de 93 et Turtle in Time 92. Ah, ouais, facile 91-92. Donc, ouais, là, s'il n'y a pas du gros clin d'œil délibéré. Déjà Ninja, Baseball Batman, non mais n'importe quoi, le nom déjà du jeu quoi. Je sens qu'il va être dur ce jeu, enfin il va être dur. On risque d'en chier un petit peu. Et des coups dans vos gueules. Ou des swings peut-être. Voilà, il faut dégager. Pas de délicatesse. Pas de discrimination, tout le monde a la même enseigne. Ouais, ça c'était pas utile. Ça a absolument rien fait, il était tout seul à l'écran, ça ne lui a rien fait.
putain, pom pom girl, moyen, hein. Wow, wow. Hop. On swing, un flan. Ça, c'est toujours top, le flan. Un bon flambi, avec du caramel. Tant que le flambi reste au frigo et pas la présidence, tout va bien. Bref. Aïe, 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 aïe. Ils sont pénibles. Voilà, déjà. Maintenant, je prends celui avec la longe. Hein. Un bon swing. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, non, c'est une carte de côté, ça. Ouais. Oh là 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 là. Donne-moi Red Bull. Je prends la Red Bull. Putain, ouais, regarde, vraiment quel de Red Bull. Alors que Red Bull commence à sponsoriser Wipeout. Allez, on avance. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Bien mérité d'être dans les vapes, bien. Frankensteiner. Qui c'est qui arrive? Oula, des gants, mais pas gentils, là. Ah, y a des fois, comme ça, on s'en sort bien. Après, ça dure pas. Ah, putain, il avait une grosse clamolette, lui. Et c'est reparti. Swing dans votre gueule. Enfin, que dans sa gueule, pour le coup, c'est dommage. C'est dommage. Tap, 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 tap. Oh là 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 là. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. On en prend plein la gueule, des boules de partout. Il y a les boules explosives, allez on swing tout ça, ouais, on dégage quoi. Pink, pink, allez vas-y. Ouais, mais en fait elles sont là, elles détruisent rien, elles donnent de la bouffe, c'est tout. Mais c'est cool, c'est déjà sympa. Niveau du score, tableau d'affichage, des scores. Ouh là là. Ouais voilà. Tir groupé. Tir groupé. Pas de jaloux comme ça. Oula, ça ralentit, mais tu m'étonnes là avec tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, ça s'est calmé. Oh là là. Et mouru, mouru, mouru encore une fois. On a passé déjà une bonne chier, hein, Freddy. Hein. Oh là 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 là. Faut bien être à la vingtaine, là, facile. Ouais, à la, fin, à la vingtaine, facile. Facile. Mais bon, ça va, au moins, il est agréable à jouer, on s'ennuie pas trop, c'est déjà ça. Je pourrais être bien bavard sur cette vidéo, parce que un petit peu concentré. Ouais, vas-y, juste le manche. Hop. Attends, ça remonte pour faire descendre, c'est inutile. Ah, final boss. Bon, alors oui, bon, alors celui-là, l'inévitable, allez, je veux bien l'accorder, celui-là. Mais qu'on va pas se retaper l'avion, hein. Faudra pas délirer. Hein. On nous la fera pas celle-là. Putain, il est en colère lui. Il est en colère. Alors pour les boss, hop, on va reprendre notre bonne vieille technique du gros. Parce que c'est le plus puissant. Hein. Autant pour les niveaux, le bleu a plus d'allongé et plus pratique. Mais alors le gros là, on va en profiter. Oh là là, ça rame, ça rame. Mais que se passe-t-il? Oh yeah! Vas-y, climp, mais climp quoi! Pourquoi tu le tapes pas à terre? Voilà! Yo! Allez, d'autres boss? Bah, il faut bien ça, hein! Non, putain, on se retape tous les boss! Alors ça, allez, moins un, hein, moins un, direct.
tous les boss. Non mais putain. Ça c'est gavant, ça c'est gavant. Alors lui on peut le choper au corps à corps, on va pas se gêner. Enfin si on y arrive du moins. Putain! Maudite balle! Maudite balle! Chope-le, chope-le! Non, 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 c'est pas ça! Voilà. Oh putain, alors lui aussi il sait faire. Il a même pas encore perdu ses ailes. Ça, ça lui enlève rien, faut vraiment que je le prenne au corps à corps. Quoi. Comment j'ai pas pu réussir à le prendre au corps à corps là, faut m'expliquer quoi. Tout à l'heure j'y suis arrivé. Non mais. Oh là là, oh là là, oh là là. Amouru encore une fois, amouru. Mouru, mouru, mouru. Le choper, on peut pas le choper, pourtant je l'ai chopé, tiens regarde, et là j'ai pas eu le temps quoi. J'appuie trop, je brûle trop. Encore une vie, allez. Non mais de nous refaire le coup de tous les boss, ça c'est vraiment casse-couille quoi. C'était un dur et dur artificiel quoi. C'est contre un sac à... Contre un sac à HP, t'as pas le choix, t'es obligé de faire avec, quoi. Ah ouais, quand même, ouais. T'as pas le choix, faut taper dessus. Putain. Pénible, pénible, pénible. Je vous félicite pas. Voilà. Ça va te rajouter un quart d'heure de jeu à la con, là, pour se retaper les boss. C'est con, mais c'est con. Putain, c'est con un programmeur quand ça s'y met, quoi. Putain, puis c'est la sauterie des crédits. Ah bah ça va être original, hein, je vous le dis. Allez. On va le bourriner à coups de super. Voilà, dégage. Non mais putain, il est pas mort, j'en reviens pas. Voilà. Allez. Une Red Bull, c'est tout. J'ai perdu, je sais pas combien de continues, mais tu m'étonnes que t'as faim, ouais. Alors, on va se retaper le pépère de la picole. Ah non, c'est bon, c'est le dernier. Oulala, oulala, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Putain, le Uber Swinger. The King Babe, tu m'étonnes. Bah alors là, celui-là. Oh, ça va être fort. Ouais, je m'attendais à mieux, mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On va le spammer avec ça. Hop. Un coup de... Il y a moyen qu'on s'en sorte. Plutôt pas trop mal s'il continue. S'il change pas trop d'attitude. Ouais, ouais. Il a un bon look, hein, n'empêche. Voilà, ça fait toujours du bien par où ça passe. Un bon petit plaquage en règle. Plaquage. Voilà, 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 voilà. Allez, hop. Dernière barre. Dernière barre. Non, j'ai fait les ongles. Un bon plaquage, allez. Rechope-le, bien joué. Bien joué, bien joué. Voilà. Ouf, putain, vache. Allez, re. Ah ouais, je sais, c'est original. Hein. Mais en attendant, ça porte ses fruits. Ouais, voilà. Difficile de l'éviter. Difficile de l'éviter. Ouais, on reprend Ninja Marabou, gros. Oui, allez, vas-y. Tu l'en fous plein la gueule, là. Il est bientôt à bout. Il va bientôt nous lâcher la courge. Hop. J'ai l'impression que ça glitch en plus un petit peu dans les coups là. Plaquage. On fait un plaquage, il passe à travers.
Et hop, je le chope. Et bah voilà, super. Et là, il est fini. Finito, il en a pris plein la tronche. 12 transformations ou pas. On tape sur le nain, tape sur le nain. Oh yeah. Oh yeah, baby. Et ouais. Bon, en tout cas, c'était un jeu vraiment rigolo. Une bonne ambiance, je connaissais absolument pas, je suis tombé dessus complètement au hasard sur un forum. Et bah je regrette pas du tout la découverte, parce qu'il est quand même relativement fun. Je pense qu'à deux, ça peut être encore plus rigolo. Alors ça, vous voyez, il y a eu pas mal de fois où il y a des coups spéciaux vraiment déterminés pour chaque personnage. Hein. Donc après, selon votre gameplay, là, c'est clair que... Vous allez devoir choisir, mais on peut quand même souligner que bah, ils avaient tous une belle différence et que ouais non, il reste super sympa quoi. Des bonnes idées de partout et tout. Ah bah là ça commence à ramer pour la fin. Ok, ça fait plaisir. Les fins qui bug. C'est la honte. Mauvaise émulation quoi. Ah, ça commence à aller mieux. Ça devait être l'affichage de l'avion qui devait pas être bien apprécié, on va dire. Andrew Whiskey, le programmeur. Là, il aime pas. Enfin bon, voilà, on a fini ce fameux Ninja Baseball Batman. J'espère que je vous aurai fait découvrir quelque chose encore d'assez croustillant pour le coup, quoi. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!